arrête de klaxonner à chaque fois, papa, on dirait un mongolien. Moi aussi, je suis contente de te voir, mais on n'est pas obligé de partager notre bonheur avec tout le monde. Je vais prendre deux tomes. Et qu'est-ce qu'elle a, la dame? Ça s'appelle la division du travail. Elle sourit et je parle. Amusant. Bah, une famille. Hey. La mycose de ta mère s'était tendue. Est-ce que ton père aimait la crème que je lui ai prescrite? Comment non? J'ai le vagin en feu, des champignons partout. Ça te gêne pas, toi? Je vais t'en faire une bonne poêlée, moi, de champignons. Tu vas voir. Oh, 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 oh! Allez, fais un effort. Bah, viens, on échange de famille. Oh, arrête, maman, j'ai plus 4 ans. Je viens d'apprendre que j'en reprends pour 2 ans faire chanter une chorale d'escalopes panées. On va s'attaquer à un monument. Parce que quand tout va mal, il n'y a plus aucun espoir, il reste Michel Sardou. On peut peut-être essayer un truc plus moderne. Michel Sardou est à la variété française ce que Mozart est à la musique classique. Intemporel. Je veux sentir la luxure, le stupre. Ça vous est jamais arrivé, les boutonneux? T'arrêtes un peu avec ton parigo. Regarde-toi, on dirait Bella dans Twilight. Oh, ça va. Vous avez un don. Ça vous dirait d'aller apprendre le chant à Paris? C'est l'école qui est à Paris. Comment s'organiser? La ferme, le marché? Faut réfléchir à une autre solution. Tu sais ce que ça représente? Putain, t'es ma meilleure amie et t'as un don. J'arrête. Pourquoi ça? Je fais ce que je veux, non, c'est ma vie. Vous êtes sûre que c'est votre vie? Maintenant, là, tout de suite. Mes chers parents, je pars. Ça m'excuse pas tout d'être sourd. Je vous déteste. Mais je pars. Vous n'aurez plus d'enfants. T'es pas une mauvaise mère, au contraire. T'es la mère dont tout le monde rêve. Je ne m'enfuis pas, je vole. Comprenez bien, je vole. Sans fumée, sans alcool. Je vole. Je vole.